C'est une vidéo de propagande diffusée aujourd'hui par la milice paramilitaire Wagner. Sur les toits en ruine de Bakhmout, des mercenaires, instruments de musique et drapeaux en main. Les hommes de Wagner, qui se font appeler les musiciens, prétendent avec cette vidéo avoir presque atteint le centre de la ville. Dans l'est du pays, Bakhmout, épicentre des combats. Détruite à 80%, la ville est un champ de bataille. Les soldats ukrainiens, eux, sont résignés. Depuis un peu plus d'un mois, nous subissons des pertes importantes. Nous n'avons pas assez de personnel sur les positions. On ne dort pas assez, il fait froid, il pleut, le temps change sans arrêt. Les frappes et les assauts sont constants. Tout le monde est sur les nerfs. Je pense que Bakhmout va très probablement tomber, car je réalise contre quel pays nous nous battons. La désillusion, quand d'autres essayent de rester optimistes. Nous sommes là, nous n'avons pas fui. Nous sommes tous là. C'est de cette force mentale dont nous avons besoin, parce que si le mental est mauvais, alors nous ne résisterons pas. Mais l'esprit est bon, nous allons traverser cette épreuve. Résister, alors que trois des quatre routes qui permettent aux Ukrainiens d'approvisionner Bakhmout sont désormais coupées. Le président Zelensky, lui, prépare les Ukrainiens à la perte de la ville. À Bakhmout, la situation devient de plus en plus compliquée. L'ennemi détruit constamment tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions, pour la fortification et pour la défense. Nos soldats qui défendent autour de Bakhmout sont de véritables héros. La bataille de Bakhmout, symbolique plus que stratégique, objectif des autorités ukrainiennes, montrer qu'ils ont résisté, tenu le plus longtemps possible. Malgré le froid, l'obscurité et les frappes de missiles, l'Ukraine a persévéré et vaincu la terreur hivernale. Cette nuit encore, plus au sud, à Zaporijjia, un missile s'est abattu sur cet immeuble d'habitation. Au moins trois personnes ont été tuées. La Russie attaque et aujourd'hui la Russie se dit à son tour attaquée. Les Russes accusent l'Ukraine d'opérations d'intrusion sur leur territoire dans une région frontalière. Des saboteurs ukrainiens qui s'en prendraient à des civils russes. Le maître du Kremlin annule une visite dans le Caucase pour prendre la parole à la télévision. Les soldats russes protègent les gens des néo-nazis et des terroristes. Ils se sont infiltrés dans le territoire frontalier et ont ouvert le feu sur des civils. Ils ont vu que c'était une voiture civile. Ils ont vu qu'il y avait des civils et des enfants assis là à l'intérieur. Et ils ont ouvert le feu sur eux. Bilan selon les autorités, un mort et un enfant blessé. Le gouvernement ukrainien, lui, retourne l'accusation contre les Russes. L'histoire du groupe de sabotage en Russie est une provocation délibérée et classique. La Russie veut effrayer son peuple pour justifier l'attaque contre un autre pays. La guerre en Ukraine, au cœur des discussions du sommet du G20 qui se tient en ce moment en Inde. Pour la première fois depuis le début de la guerre, à l'abri des regards, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov, pour lui demander de mettre fin à la guerre. La Russie campe sur ses positions et a trouvé un allié de taille, la Chine. Nous avons unanimement rejeté les tentatives d'ingérence dans les affaires internes d'autres pays, d'imposer des approches unilatérales par le chantage et les menaces. Russie et Chine, côte à côte, annoncent déjà qu'elles ne signeront pas le texte final du G20.